Edwin. Bon, aujourd'hui, on va rentabiliser la journée. Après avoir fait cette cathédrale, je vais aller à l'abbaye. Je vais voir tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, je reviendrai au centre pour manger. Et après, on verra. Donc, l'abbaye, elle est juste à côté. Je veux dire, elle est à 10 minutes à pied. Bon, j'aurais bien pris le bus, mais on va marcher un petit peu, histoire de visiter aussi. Bon, c'était assez rapide, il n'y avait pas grand chose à voir. On va aller à l'étape suivante. J'ai acheté un gros paquet parce que on ne pouvait pas en acheter à l'unité. Demain j'ai mon avion à prendre et j'ai déjà plus de place dans mon sac, donc il va falloir que j'en mange beaucoup. J'espère que c'est bon, en tout cas je vous dirai. En fait, ça c'est excellent. J'ai goûté ça et c'est trop bon. En fait, c'est un goût de. On sent bien la fleur d'orange et franchement, le goût il est super surprenant. C'est vraiment très bon. J'aurais dû en acheter plus. Bon, je suis les gens devant, mais je sais même pas où ils vont. Je sais même pas où aller dans ce quartier, il y a tellement de rues à voir. Je crois que je vais essayer de me perdre un peu, d'aller en haut, en bas, à gauche, à droite, pour tout visiter.
Franchement, les prix des bouillabaisse, c'est vraiment abusé. 79 euros par personne. Je vois aussi ailleurs des 50 euros, 39 euros juste pour un plat en fait de bouillabaisse. C'est chaud. Du coup, je vais me chercher un endroit un peu plus, un peu moins cher et qui sera tout aussi bon. C'est pas dans mon voyage à Marseille que vous allez déguster, que vous allez voir les mets les plus populaires. Mais en tout cas, si je reviens un jour à Marseille, franchement, je testerai vraiment la bouillabaisse. Ça a l'air d'être très bon. Demain, je vais me lever tôt pour pouvoir prendre l'avion et aller à Porto.